Le nouveau patch de Stormgate vient de sortir et on va voir ce qu'il contient. On est sur le patch 0.0.2, le deuxième patch du jeu, et sachez-le, il y avait beaucoup d'attentes concernant plusieurs points. Le premier, c'était les exos, qui étaient considérés comme des unités très fortes côté Vanguard, notamment contre les Infernals. Également, tout ce qui est Argent côté Celestial, qui était super fort contre Vanguard, contre Infernal et même contre Celestial, puisqu'au final c'était quasiment l'unité exclusivement jouée sur l'early game, beaucoup de cheese, beaucoup de stratégies très agressives, et d'autres petits points, les Magmadons contre Infernal, en Infernal contre Infernal, bah, c'était un petit peu du hasard. Le premier qui activait son Magmadon pouvait avoir un énorme avantage parce qu'il allait stun complètement l'armée adverse. Voilà, ça c'était un petit peu les points qui étaient attendus. Eh bien sachez-le, très peu de points sont corrigés concernant ça, mais il y a des justifications et c'est ça qui va être intéressant. Donc on part un petit peu à la découverte de tout ça. Au début, on va commencer sur les changements et ensuite on a les explications qu'on va analyser. On va aller assez vite sur les changements dans le sens où ils sont réexpliqués après. Ça, c'est le premier point qui est très important. Au niveau de la coop, on va avoir les héros jouables jusqu'au niveau 5 qui vont être beaucoup plus clairs. En fait, actuellement, lorsque vous alliez sur la coop, que vous choisissiez vos héros pour jouer, ceux qui étaient achetables, si vous ne les possédez pas, il y avait un gros bouton achat qui était affiché. Maintenant, ils vont faire en sorte que seulement si vous atteignez le niveau 5 avec ce héros, ce bouton s'affiche. Sous-entendu, ça vous fait comprendre que bah, vous pouvez y jouer gratuitement avec. Ce qui est pas con, parce que même moi, j'avais eu un héros que j'avais pas. Je suis allé sur le jeu, j'ai essayé de jouer avec, j'ai vu le gros bouton rachat, j'ai fait « Ah bon, bah je peux pas jouer avec. » Alors que je connais le truc. Et je me suis fait avoir. Donc ça, c'est bien. Ça va éviter en plus des revues négatives, puisque bah, les joueurs pourront jouer... niveau 5, c'est quoi? Tu fais 6-7 parties quand même avec ton héros avant de te rendre compte s'il te plaît ou pas. Donc c'est plutôt pas mal. Ils ont corrigé des crashs. Ils ont également modifié l'Infested... Ils ont viré Infested Crater, qui est une carte en mode coop qui est plantée, enfin qui avait des problèmes de performance, donc plutôt cool. Pour information, j'en profite, mais les développeurs ont aussi fait une annonce dont on parlera dans une autre vidéo sur les changements de roadmap, sur les changements de priorité. Donc ça, voilà, on en parlera à un autre moment, mais il faut savoir que la coop, la 3v3 et la campagne, c'est des choses qui vont être corrigées. C'est pour ça que c'est pas que j'en parle pas forcément dans ce patch là, c'est quelque chose qui sera plus tard. Au niveau de l'équilibrage ensuite, on a un gros changement au niveau des creeps. Il donne 25% de moins de bonus. Alors, faut savoir que il y avait eu un patch qui leur donnait 60% de plus. Je crois que le 25% de moins, c'est par rapport aux 60% en plus. Globalement, les ressources vont diminuer. Ils passent de 40 de luminite à 30. En fait, ça diminue de 10, grosso modo. 20 sur les grosses unités, et ça diminue pareil sur le Therium. C'est plutôt pas mal. Et on en parlera justement quand ils expliquent pourquoi ils font ça. L'idée, hein, c'est simple, c'est que les creeps rapportent moins, et donc les fast expand soient plus intéressantes. Parce qu'aujourd'hui, il n'y avait pas le choix de fast expand, c'était pas rentable. Aujourd'hui, ça va être un peu plus rentable. Autre changement, ça c'est plutôt pas mal, je crois qu'ils en parlent pas après, mais les camps de soins ne donneront plus 8 points de vie par seconde, mais 4 par seconde. Aujourd'hui, si tu te fightais dans un camp de soins, celui qui était dans le camp de soins, il était intombable, et je me suis fait avoir beaucoup, beaucoup de fois. Et les camps de speed, leur bonus n'est plus de 30 secondes, mais de 20 secondes. Bon. Après, voilà, un petit fixe sur le Shadow Mastiff, c'est un des creeps qui faisait trop de dégâts. Voilà. Modification côté Vanguard. Il n'y a qu'une modification. Donc, quand vous parlez de l'exo, ben, voilà, c'est fin. Ils ont corrigé un bug qui faisait que l'ornette, l'unité aérienne, ne faisait 20 de dégâts. Effectivement, anti-air damage. Ouais, voilà, il faisait 13 de dégâts en entière, alors qu'il est censé faire 13 plus 13 contre light. Bon. Mais globalement, ça change pas grand chose. C'est un petit changement. Infernal Nightfall Infestation, donc c'est la compétence qui vous permet d'infester une zone. Maintenant, elle va requérir d'être tier 2. Et son coût en Animus va passer de 25 à 20.
L'idée, là, c'est d'empêcher de l'utiliser trop tôt dans la partie, notamment sur les camps de creep avec 5 unités, qui faisait que bah, tu prenais un énorme avantage parce que tu pouvais générer 5 fiennes instantanément. Limp, le récolteur, du coup, le fait qu'il passe en mode flamme pour exploser, c'était 1,5 secondes, ça passe à 1 seconde. A voir si c'est plus utilisé, moi je l'utilise très très peu, ça. Le gunt, alors, il y a des gros changements, on détaillera ça après, mais en gros, les dégâts, ils passent de 6 plus 3 contre Light à 8 plus 2 contre Light. Globalement, ils font 6, 7, 8, 9, 8, 9, 10. Ils font plus de dégâts globalement, voire même beaucoup plus de dégâts contre le non-Light. Les dégâts du rebond, par contre, eux, sont diminués, ce qui est une surprise. Et par contre, ils perdent 30% de vitesse d'attaque. Enfin, 30%, allez, on passe de 1 à 1,3, c'est pas exactement 30%, c'est 28%, un truc comme ça. Mais bon, bref, c'est pas... vous allez voir l'explication. Il y aura l'explication plus tard. L'exen, le miasme est réduit. Il avait une range de... Enfin, il avait une zone de 5 parcelles, on va dire. Maintenant il passe à 4, donc miasme plus petit, plus compliqué pour gérer les vanguards. Le magmadon, il ne se stun plus entre eux, donc ça c'est changement total pour Infernal contre Infernal. Il va falloir voir d'ailleurs les applications. Le Weaver, il a ses dégâts qui sont diminués contre les bâtiments. Au niveau des Celestials, tous les Arkship, Arkstation et Arkfortress ne cotent plus de supply, c'est-à-dire que maintenant ils peuvent être spam en late game. Collection Array. Ah, pourquoi il est en gris lui? Alors il y a un bug sur leur site là, c'est rigolo ça tiens. Collection Array, sa vie elle est augmentée de 500 à 800. Et alors je sais pas pourquoi il est en gris parce que celui-là il est bien là. Le Flying Mode, son temps de transformation quand il est en mode volant, il passe de 30 secondes à 20 secondes. En fait, ça c'est quand ils enlèvent leur bâtiment et qu'ils veulent le reposer. Le Vector, sa vitesse est diminuée. Par contre, sa compétence qui permettait avant de se téléporter le blink, eh ben, il ne va plus blinker, mais il va augmenter la vitesse de déplacement de 5 à 6.5. Faut bien imaginer que passer de 5 à 6.5, ça représente quand même juste une augmentation de 0.5 par rapport à ce qu'il y a actuellement. Ce qui signifie que maintenant, ils peuvent être chassés. Ce qui signifie aussi que maintenant, vous pouvez techniquement les contrer avec des brutes et avec des fiends. Avant c'était pas possible parce que tu te faisais chasser à mort quoi. Par contre on sait pas combien de temps ça augmente la vitesse. J'avoue que c'est pas marqué. Le site, ses dégâts contre les unités aériennes étaient de 7 à plus 7 contre lourd. Maintenant ils vont passer à 12 plus 12 contre lourd. Alors c'est juste les dégâts anti-air, donc pas grave. Et les dégâts contre le sol, ils passent de 8 plus 8, ils étaient à 8, 16, ils passent à 8 de base, à 6 de base, et plus 8 avant contre heavy, contre lourd, et maintenant plus 6. C'est un bon nerf, ça rend le site beaucoup plus contrable, en vrai, beaucoup plus contrable. Donc c'est un nerf, pour moi c'est un nerf, mais c'est un buff anti-air. À voir, mais pour le coup, bon, ça rend le site beaucoup plus contrable. Le sabre, ses dégâts augmentent de 52 plus 52 à 60 plus 30. En fait, ça le rend moins fort contre. Enfin, 52. Ouais, légèrement, un poil moins fort. Si, quand même. C'était à 90. Ah, ça passe à 90 et avant c'était à 104. Si, ça leur rend moins fort contre le lourd, mais plus fort overall. Et les dégâts de zone, ils augmentent de 25% à l'unité principale, à 50%. Ah, ils augmentent de... Ah, par contre, ils font plus de dégâts de zone. Pourquoi pas. Archangel, la vie bonus fournie par l'avatar, elle augmente de 250 à 400, c'est énorme. Par contre, ils peuvent plus viser une unité. Maintenant, ils visent une zone sur laquelle ils atterrissent. Voilà. Ça, c'est les changements. Maintenant, l'explication. Et l'explication est vraiment bien. Ça, c'est bien qu'ils fassent ça, parce que des fois, on comprend pas trop. Tac. Donc là, en fait, ce qu'ils expliquent ici, c'est le problème du creep snowball. En fait, le creep snowball, c'est le fait que, quand tu prends les creeps, si t'arrives à prendre le contrôle de la carte,
tu contrôleras tout et t'auras beaucoup trop. Et du coup, tu pourras avoir les creeps apporter beaucoup, beaucoup trop. Ce sur quoi je suis un peu d'accord. Notamment, il y avait des cartes genre Lost Hope. C'était... Si tu joues un build order orienté creep, type Seraphin, type Open Lancer, type Open Standard Infernal, t'as des gros avantages. Voilà, ils disent que justement, bah du coup, les Scouts, les Vectors, les Seraphins et tout, c'était trop fort en early game à cause du creeping. Là, tu rends le creeping un peu moins fort, donc quelqu'un qui jouerait Fast Expand, masse défensif, aura un peu plus d'avantages et un point un peu plus concurrencé. Je pense qu'aujourd'hui, le creeping reste quelque chose de très très fort, et c'est bien. Parce que il faut que le creep existe pour que ça soit... Ouais, il faut que le creep existe. Il faut que le creeping existe. Donc c'est pour ça. Donc là c'est ce qu'ils expliquent, c'est pour ça que ça donne 25% de ressources en moins. Ils veulent faire attention, parce qu'ils veulent stabiliser le jeu autour de ça. Et Ah oui, alors là, c'est quoi? Ah oui, là, ils posent des questions un petit peu sur le sujet. Ils veulent potentiellement les rendre plus durs à tuer. Ou plus longs à tuer. Et... Ouais, ok. Ils veulent plus les différencier éventuellement en changeant un peu leur puissance. En gros, là, ils veulent voir, ils veulent peut-être refaire un rework des creep camps pour mieux les équilibrer sans forcément toucher à ce qu'ils rapportent. Et ils veulent éviter que ce soit trop facile à recapturer les camps. À empêcher les camps qui sont pas des camps de ressources d'être récupérés. Ah, genre les camps de vitesse, les camps de vision. Pourquoi pas? Ah oui, ce qui fait qu'en fait, quand tu les as, t'as un bon avantage, quoi. Mais bon, vu qu'il serait peut-être plus dur à prendre, à voir. Voilà. Et après, ajuster les ratios, le taux à quel ils augmentent entre chaque level up. Bon, ok, en gros, ils sont en train de dire que peut-être qu'ils veulent revoir les camps de creep et qu'ils vont faire attention à ça. Au niveau des match-ups, donc là, ce qu'ils nous disent... alors je veux bien croire hein, qu'ils aient des meilleures stats que moi, que Infernal est la race qui est devant. Attention, c'est toujours pareil, on sait pas sur quoi ils se basent. Je sais pas à quel niveau ils se basent. C'est toujours pareil, si tu te bases sur les bas niveaux, ça a pas de sens. Il faut toujours se fier, genre, tu prends Master Diamant à la limite Platine pour faire tes stats, parce que bas niveau, c'est compliqué, t'as trop de choses déséquilibrées qui sont inéquilibrables. Donc, taux de win des Infernal 52%, on a le matchup miroir, Vanguard 50% et Celestial 48%. Ok. Moi, j'aurais mis absolument l'inverse, j'aurais mis Celestial, Vanguard et Infernal. Mais Vanguard, j'aurais mis au milieu. Parce que Vanguard se fait dominer par Celestial. Et avant, c'était 53% pour Celestial et les Vanguard étaient derrière. Donc, du coup, voilà, ils expliquent que Vanguard est plus fort qu'Infernal. Infernal est plus fort que Celestial et Celestial est plus fort que Vanguard. Sauf que les nerfs qu'ils font rendent le match-up Infernal contre Vanguard encore plus dur. Parce que c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Va falloir... Enfin, c'est le miasme en fait. Le miasme a beaucoup d'effets. Nanana. Ouais, voilà. Donc là. Ils disent après avoir vu les effets sur le metagame de nos changements. Il y aura un patch en septembre qui vont corriger d'autres choses. Vanguard Infernal. Donc là, ce qu'il nous explique, c'est que les Infernal maîtrisent l'early game, les Vanguard vont maîtriser le jeu après 10 minutes. Ce qu'ils oublient de dire aussi, je trouve, malheureusement, c'est que le late game est totalement Vanguard parce que les élites carrières. A voir si les changements pour le Gaunt vont justement changer tout ça. Mais bon, attention aux élites carrières, hein, ils en parlent pas beaucoup et pour moi c'est un énorme problème. Donc déjà, c'est pour ça qu'ils ont viré Nightfall Infestation en de tier 1 à tier 2. C'est pour éviter justement le fait de pouvoir générer plein de fiennes et pour pouvoir prendre un énorme avantage. Pourquoi pas? Moi, je suis plutôt content dans le sens où Nightfall Infestation, je l'utilisais pas, ou très peu, en early game. Et du coup, bah ça a pas trop d'effet sur mon gameplay. Mais why not? Les Imps, ils veulent que, en changeant les flammes de l'Imp, ils veulent que ça soit un meilleur contre les Vanguard. À voir en vrai à l'utilisation, je suis pas convaincu à 100% de tout ça.
Mais à la limite, why not? Au niveau des Gaunt, ils ont du coup changé les dégâts. Là, c'est ce qu'ils expliquent, c'est que, bon, effectivement, c'est compliqué de gérer les exo-balls et les infanterie-balls, donc les compositions exo ou lancer exo, enfin, principalement ça en fait, et avec des healers effectivement qui vont avec. Ils disent que le problème vient aussi des lancers, ce sur quoi je suis d'accord, mais du coup, c'est là qu'ils expliquent les changements. En changeant le Gaunt, ils espèrent que le Gaunt sera un meilleur contre au lancer, puisque globalement, tu vas faire plus 26% de dégâts au lancer. Alors, problématique, j'en parlais sur les Discord, c'est que actuellement, t'as besoin de genre, je déconne, mais t'as besoin de 10 lancers pour tomber, de 10 Gaunt pour tomber un lancer. Bah, t'en as besoin de 8, quoi. Bon, ok, super. Parce qu'en fait, ça va faire en sorte que ça va moins trigger leurs compétences et tout ça. Ok. Par contre, ils vont te faire 8% de dégâts de moins au non-light. Et ils vont faire 30% de dégâts en moins au light. Ce qui sous-entend au final que oui, ils vont faire plus de dégâts au lancer. Par contre, contre les exos, ils vont se faire encore plus allumer. Donc, ok, le gun devient un meilleur contre du lancer. Mais devient un moins bon contre du reste. Donc, Je sais pas, je suis pas sûr. Parce que faut pas oublier que impliquer le Gaunt. En fait, impliquer un nerf du Gaunt, de la brute, de l'argent, du cri, du côté vanguard, du lancer ou de l'exo, c'est des unités corps, c'est des unités T1, des unités principales que tu vas avoir beaucoup dans tous les match-ups. Donc en fait, diminuer ça, c'est impliquer tous les match-ups. Ça va juste impliquer que de toute façon, en early game, on va avoir moins de Gaunt. Quand il n'y a pas du lourd en face. Parce que globalement, il gagne que de la puissance contre du lourd. Un buff, quoi. Mais je suis pas sûr à 100% du truc. Le miasme, on a sa zone qui est réduite. Alors, je suis un peu d'accord sur le principe que la zone était trop grande. Cela étant, c'est plutôt que c'est le seul contre les exoballs pour moi. Parce que bon, je suis pas sûr que le changement aux imp va changer grand chose. Donc oui. Cela étant, je m'attendais aussi à un nerf des exos et il n'y en a rien du tout qui va avec. Donc ça, j'ai peur que ça fasse très très mal. Les dégâts anti-structure, ils passent de 10% à 7,5%. Ça, c'est pour éviter qu'on puisse buter des bâtiments trop vite avec des weavers. Genre un drop de 4 weavers qui dégommait tout, c'était possible. Ça sera plus possible. Je crois que c'est surtout ça. Mais bon, j'en ai pas vu beaucoup être utilisé. Peut-être que je devrais me mettre à l'utiliser. Parce que là, je crois que tu faisais un drop de 4 weavers, en 3 shots, tu tombais un command center. Effectivement, est fort, quoi. J'ai dit command center, c'est command post. Vanguard contre Celestial. Le Vector, son nerf, va faire que ça sera moins fort, les proxy Vector. Je suis d'accord. Les proxy Vector étaient abominables. Ils affectent le Vanguard Celestial, mais aussi le Celestial Infernal. Donc ça, c'est cool. Ça va donner plus de possibilités de contre concernant les vecteurs. Voilà. Les scouts pourront mieux concourir avec les vecteurs. Et c'est plutôt une bonne chose. Et ça, je suis d'accord. Lornette, le changement, ça va permettre de mieux contrer les séraphins. On est aussi d'accord. Puisque les séraphins sont du léger. Chose importante. Et ça, ils n'en parlent pas pendant le patch. Le fait d'avoir nerfé les gaunt contre le léger va aussi beaucoup impacter les openings séraphins. Contre Infernal. Et déjà que c'était chaud actuellement, là ça va être très chaud. Donc à voir. Le site, les ground unit damage. Oui, bah ils vont dire que voilà, le site va être beaucoup moins fort contre le terrestre. Parce que. Oui, voilà. Bon, ok. Après, le site, on en voyait un petit peu aussi contre Infernal, mais j'avoue que c'était pas le tout le plus fort du monde. Infernal contre Celestial. Donc, alors, oui, c'est ça, c'est une some much needed late game buff. Donc, ils ont dit, voilà, ouais, les CLC ont eu du buff en late game. Alors, je trouve que c'est pas non plus sensationnel. Ils disent qu'ils ont perdu un potentiel de faire des run by cri. Alors, moi, j'ai pris des all-in cri. Je vous assure que c'est abominable à arrêter. Je vous assure que un all-in cri bien fait, c'est affreux. Et je pense que les gens vont se remettre à en faire un peu. Et j'arrive plus à retrouver. Alors attendez, je vois juste un truc, j'arrive plus à retrouver, mais il parlait
de du Mass Argent à un endroit. À un endroit, ils ont parlé du Mass Argent. Il est où? Ils en parlent pas, c'est où? Pas encore de conseil social. Non, ils en parlent pas. Bon, on verra s'ils en parlent plus tard. Mais en gros, ils expliquaient que les proxy Argent, donc les Mass Argent en early game, c'était pas quelque chose qui était problématique pour eux, que c'était quelque chose qui était plutôt attendu. Je pensais qu'ils allaient en parler là. Bon, on va voir plus tard. Les Celestials perdent le mid-game à cause des guns qui sont trop forts. Ouais. Ok, si vous voulez. Je suis pas sûr que ça soit ça. Enfin, je suis pas sûr que ça soit les guns le problème. C'est plutôt le général Infernal qui... Oui, bah, qui maîtrise les creeps, mais c'est le gameplay... Enfin, oui, c'est le playstyle qui est utilisé, quoi. Ils disent qu'il manque d'une frontline qui est forte. Je vous assure que le cri, moi, je trouve pas ça dégueu. Et ils ont du mal à gérer les spawns de fiends constamment. Donc, tac tac. On est bien là, hein. Ouais, ok. Le site. Tac tac tac. Le sabre, ouais, voilà, ils font plus de dégâts avec le sabre. Ah oui, l'augmentation du dégât de zone du sabre et tout. Ça va permettre au sabre de mieux gérer les fiends qui sont apparus par les gaunts. Alors, ouais. Ouais. Après, est-ce que du coup tu vas faire autant de guns qu'avant parce que du coup ils ont été nerfs contre le light? Je suis pas sûr. On va voir. C'est ça en fait, hein. C'est plus global que ça. L'archangel. En fait, ah oui, d'accord, c'est ça qu'ils appellent du buff late game. Le buff archangel, pour eux, ça a meilleur contre. Need from being pushed in a future patch. Ah, ils prévoient peut-être que l'archangel, dans un prochain patch, ne pourra pas être poussé par les magmadons. Donc, ça sera un truc qui te bloque. Ah, putain. Bon, en gros, ils disent que voilà, l'archangel, en gros, son boost de vie notamment, va faire qu'il sera plus dur à contrer. Et du coup, sera un meilleur contre en late game, et donc, c'est plus de puissance. Ce qui signifie aussi qu'au final, tu limites le late game contre Infernal à jouer Archangel. T'es obligé de jouer Archangel. Ce qui pour moi est pas forcément une bonne solution parce que il faut toujours que t'aies au moins 2-3 possibilités de gameplay. Si t'es bloqué sur un truc, je trouve ça toujours un peu dommage. Donc là, ils ont diminué le supply Archie, Park Station, Arc Fortress. Ça, je comprends pas trop. Ils veulent rééquilibrer le coût en supply des Celestials. Mais je crois que l'idée, c'est qu'ils trouvent qu'en late game, les armées Infernal sont beaucoup plus grandes que les armées Celestials. Et du coup, c'est pour ça que les Celestials n'arrivent pas à gérer. Ouais. Et là, ils ont peur que là, en fin de game, les gens fassent des masses Archip et des masses Arc Fortress. Ce qui est tout à fait possible. Parce que du coup, vu qu'ils coûtent 0 de pop, je sais pas. J'ai peur du late game. Ça va en fait, ça, c'est aussi dépendant des cartes, hein. Parce que, admettons. Mais le truc, c'est qu'il faut quand même que tu sois à 300 de pop. Et que, du coup, tu dises, bon, bah maintenant, je vais gaspiller toutes mes ressources là-dedans. Il faut que la carte te le permette, il faut que l'économie te le permette. Enfin, il y a plein de choses, c'est pas aussi simple que ça, quoi. Infernal contre Infernal. Bah, ils rééquilibrent le Magmadon. Le fait que maintenant, en fait, les Magmadons, quand ils vont rentrer en contact et qu'ils vont activer leur tremblement, ils vont stun les autres unités, mais ils ne vont plus se stun entre eux. Ce qui signifie que tu n'auras plus la situation où, par exemple, t'as beaucoup plus. Le premier Magmadon adverse t'a stun, c'est fini pour toi, la fight elle est finie. Et aujourd'hui ça arrivait. Le truc c'est que du coup, les games vont peut-être être plus compliqués. Parce que je pense que du coup, ça va se jouer beaucoup plus à t'actives tes Magmadons et tu micro le reste et tu split. Il va falloir voir si c'est possible. Il y a aussi un truc qu'ils disent, c'est que ils pensent que le Weaver est un bon compte du Magmadon. Alors, j'ai un gros doute là-dessus. Parce qu'en fait, le Weaver... Donc c'est l'unité qui va permettre de graber une autre unité. Si tu grabes un Magmadon et qu'il active son tremblement à l'atterrissage, tu fais stun tout ce qu'il y a à côté du Weaver. En général, c'est l'armée à l'arrière, donc ça va être les guns et tu te fais arracher en deux, quoi. Donc à voir. Je suis pas convaincu à 100% de tout ça. Par contre, faut pas oublier que le Magmadon est une unité lourde, si je dis pas de bêtises, et donc qui va se prendre des dégâts bonus par le gunt. À voir ce que ça donne. Mais oui, ça c'est un très bon changement, hein, parce que ça va rendre les games beaucoup plus clairs, hein, en Infernal contre Infernal. Le collection array, sa vie qui augmente de 500 à 800. En fait, actuellement, tu avais des...
tu pouvais sniper un collection arrêt, un bâtiment de récolte, avec 4 Shadow Flyers et avec Dive Bomb. Donc c'était le fait que les Shadow Flyers pouvaient s'envoler et atterrir sur un bâtiment et le sniper. Et vu que c'est 150 de dégâts que tu mets, avec 500 de vie, avec 4 tu les butais. Bah maintenant il va t'en falloir 4, 5, 6. 7, 10. Attendez. 6 fois 6. Il en faudra 6 pour les sniper. Ce qui est toujours ok, mais ce qui est beaucoup moins fort. Parce que 6, ça représente. Bon, je suis nul en calcul, mais c'est 75 de Ethereum les deux, donc voilà. Ce qui est plutôt pas bête. Parce que c'est vrai qu'en late game, je le reconnais, c'était trop simple d'aller. Si t'arrivais en late game, tu pouvais sniper toutes ces collections Harry, ce qui sera toujours possible, mais moins fort. Beaucoup moins fort. Et globalement, looking forward. Ah oui, là ils disent voilà ce qu'on regarde d'autre. Vanguard contre Vanguard, le mass scout, ça saoule. Parce qu'effectivement, tout le monde joue mass scout et c'est très très dur à arrêter. Ils sont en train de dire oui, on regarde ça et on va voir ce qu'on peut y faire. Au niveau des Celestial contre Celestial, ils disent que le problème c'est que on reste trop longtemps bloqué sur Argent contre Argent. Surtout quand tu fais les petites cartes. Bon, en même temps sur toutes les cartes. Hein. Ils disent que on pense que c'est à cause du fait qu'ils sont trop forts sans upgrade. Et que les cris sont pas assez forts contre eux. Oui. 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 Et voilà. Et le problème, c'est que pour moi, ils oublient trop souvent que Argent et Argent, ça, c'est pas que en Celestial Celestials. C'est dans tous les match-ups qu'on se prend que ça. Donc, à voir. Le cri. Alors, ils expliquent que le cri. C'est assez bizarre parce que il y a des moments où il va être très fort. Il y a des moments où il va être nul à chier. Et bilan, ils savent pas trop comment faire. Ils font pas de changement pour l'instant, ils attendent de voir comment le gameplay va évoluer. Moi, je considère que le cri est très fort, même contre le lourd. Je sais qu'en Infernal Celestial, le cri est vraiment un truc qui me fait péter des câbles. J'ai un joueur Positozo, là, ou je sais pas quoi, là, qui me fait que des masses cri. Je vous jure que selon les cartes, t'as des cartes, tu fais... Je sais pas, je ne sais pas ce que je peux faire. C'est vraiment surpuissant. C'est vraiment surpuissant quand on vient jouer. Et des all-in cri, je vous jure que c'est dur. Craven Spriggan and Iron Gate. Alors Iron Gun, je vois pas ce que c'est. Iron Gate, je vois pas ce que c'est. Ils veulent buffer le Graven, le Spriggan et l'Ion Gate. Le Spriggan mérite un buff, en fait mérite un rework plus qu'autre chose. Et ils disent que voilà, ils vont regarder un peu le jeu, ils vont suivre tout ça, et gna gna gna, et gna gna gna. Alors, c'est une bonne chose. Tout ça, c'est une très bonne chose. Le patch, en vrai, il me satisfait pas du tout, 0%. Mais c'est bien argumenté. Et en vrai, il y a des raisons. Moi, je m'attendais quand même à un nerf du fuse. Donc, le fait que les argentes, enfin, tous les bâtiments qui sortent en early game sortent trop vite côté Celestial. Il va falloir voir ce qui se passe avec ce patch. Mais pour moi, je m'attendais à un nerf de ça et à un nerf de l'exo. Au moins en DPS, mais en DPS pur, quoi. Pas juste en DPS, genre un dégât de moins, une connerie, j'en sais rien. Mais j'avoue que l'exo est toujours difficile à voir, en fait, si maintenant le... Comment on appelle ça? Le buff de Limp change quelque chose. Mais ça, bah, va falloir jouer pour le savoir. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut !